Ici Michel Mongeau. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un harlequin, un charlot, un petit malin qui a ravi des générations et des générations de Québécois, Piccolo. C'est un peu lui qui va nous servir de guide tout au long de cette émission consacrée à un fonctionnaire vraiment pas ordinaire, Paul Buissonneau. Un comédien que Piccolo considère comme son alter ego et qui est à l'origine du théâtre de la Roulotte et du théâtre de Quatre Sous. Si vous avez déjà entendu parler de Paul Buissonneau, vous savez qu'il est doté d'une créativité volcanique. Ça fait peur à certains, mais depuis le début des années 50, ça fait la joie d'une foule de gens, petits et grands. C'est que les accomplissements de Paul Buissonneau parlent bien plus fort que lui. Mais il n'est pas toujours facile pour un monument d'échapper à sa propre image. Mais c'est une farce ou quoi? Mais faites quelque chose, vous autres, quoi! Vous savez, il est vraiment très sérieux dans le travail. Hein. Il est discipliné, il est farfelu dans ses idées, peut-être, mais dans le travail, il est sérieux et discipliné. Comme metteur en scène, vous avez une drôle de réputation aussi, hein? Bon, ça, c'est des histoires de baguettes. Aïe, aïe, aïe. Des histoires. Non, je pense qu'il y a des témoins ici. Arnaud? Ah, moi, je ne dis rien. Non? Ah non, moi, je dis rien. Non. Mais moi, je ne peux rien dire parce qu'en fait... Ou alors, je peux beaucoup parler parce que moi, j'ai entendu parler. Je n'ai jamais travaillé avec Paul. Plusieurs fois... témoin. Plusieurs fois, on a failli travailler ensemble, mais jamais on ne l'a fait. Alors, moi, je peux dire qu'est-ce qu'on raconte sur lui? Oh, alors, quel tempérament! Quel tempérament! Bah non, quel vocabulaire! Non, je pense qu'on a exagéré un peu. Hein. Non, vous croyez vraiment... On a un peu brossé mon mythe. D'une façon très circonspecte. Il paraît, excusez-moi, que vous avez un caractère de cochon. Non, de chien, mais... cochon, cochon. Je pense que les gens qui ne sont pas capables de travailler avec Paul s'en vont assez rapidement. Et ceux qui y restent sont des survivants et des survivantes de Paul Buissonneau, metteur en scène. Ou survivants et survivantes de Paul Buissonneau comme femme ou comme ex-compagne de vie, comme blonde. C'est un effronté, Paul, et c'est pas du tout négatif quand je dis ça, bien sûr. Donc, d'essayer des choses, mais un bon goût sûr. Polo, on t'aime. Mais souvent, c'est sa façon de parler qui semble être parfois agressive ou parfois même un peu insultante. Mais je pense que c'est sa façon de communiquer avec les gens. Il faut apprendre à le connaître. Et puis, quand on a compris ça une fois pour toutes, c'est plus gênant du tout. Mais je connais beaucoup de gens qui... Je connais surtout des chanteurs qui sont complètement terrifiés par Paul. Je parle fort! Il y en a qui s'impressionnent! C'est des mollusques! Il nous aurait dit, Muriel et moi en particulier, et quelques autres, là, je pense qu'il nous aurait demandé de sauter en bas de la maison. On aurait dit, bien, mettrais-tu un petit matelas en bas au cas où? Mais je pense qu'on l'aurait fait. Tu sais, il nous aurait demandé n'importe quoi, on l'aurait fait. C'est un génie, nous. Les idées que cet homme-là a eues, là... Je veux dire, je connais des metteurs en scène, ils auraient fait leur vie avec. Lui, ils ont jeté juste parce que l'idée suivante, ça n'aurait pas été homogène ou tu sais, bon. C'était vraiment un être exceptionnel. Travailleur comme mille, exigeant. Exigeant au point que si on ne réussissait pas assez vite, il sacrait son camp, il nous sacrait là, puis il nous criait des noms. On avait assez honte que là, on se disait, faut travailler quand il va revenir demain, faut qu'on l'aille. Chaque fois qu'on voit quelque chose créé par Buissonneau, c'est quelque chose qui a un éclair, qui a une lumière, qui a une espèce de totale liberté créatrice. Paul n'est pas un oiseau qu'on met en cage. Moi, la première image que j'ai de Paul, c'est l'enfance. Une enfance qui semble très bruyante, qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup d'éclat. Mais c'est beaucoup un enfant qui s'est forgé un personnage.
la vie de chacun d'entre nous. Les chapeaux pourraient la raconter. Seulement, chut, ils se taisent. Aussi, moi, je vais le faire à leur place. Bien vite après la naissance, tu pars à l'école avec ta tuque sur l'oreille pour apprendre l'alphabet. Les frisettes appartiennent à ma mère. Ah oui? Qui voulait une charmante dame qui s'appelait Andrea et qui était blonde et frisée, qui venait de l'Alsace. Voilà. Sa mère s'appelle Andrea Martin et son père, un blessé de guerre meurtri dans l'âme, Lucien. Quand Paul aura 15 ans, ils seront tous les deux disparus, le père depuis 1931. Paul Georges Buissonneau, dit Polo, est le dernier d'une famille de 4 garçons et une fille. Il est né le jour de Noël 1926, dans le 13e arrondissement de Paris. Ma jeunesse, j'ai été très heureux, finalement, parce que on était dans un quartier pauvre, mais finalement, tout le monde l'était. Et puis, le plus grand jour de ta vie, ta première communion. Et ta vie commence. On n'arrête jamais d'apprendre et d'avancer. Tu sais, c'est dur, quelquefois. Les saisons marquent ta vie. À l'âge de la première communion, comme il est orphelin de père, il est décrété pupille de la nation et se trouve précipité dans son étonnant parcours d'autodidacte. Quand il entre dans le mouvement scout au patrouille du quartier, il ne peut pas se douter que ce sera l'école la plus déterminante de sa vie, celle qui le mènera au sein des compagnons de la chanson et qui le prédestine à devenir moniteur dans les parcs de Montréal. Chez les scouts, on lui donne le totem de taureau drôlatique et on l'initie au partage et à la débrouillardise. Il n'y a pas que le scoutisme, il y a ma famille qui était... J'avais des frères extrêmement débrouillards. Mon frère René faisait n'importe quoi. Il faisait le même métier que moi. Il a fait le même métier que moi, mais il pouvait aussi bien travailler le fer que le bois. Il avait fait un frigidaire à ma mère, qui en voulait un. Il avait créé un frigidaire en bois avec à l'intérieur du liège, recouvert de zinc, c'était extraordinaire, avec une forme ronde qui est venue dans les années 50. Et ça, il a fait ça en 1939. Le héros du temps, c'est Maurice Chevalier, qu'il rencontrera plus tard avec les compagnons. Mais en 1939, la vie d'artiste est une vie bien abstraite pour le petit Polo. À 13 ans et demi, il entre à l'usine. C'était pas encore une catastrophe. C'est la guerre qui fut une catastrophe. Travailler, bon, j'étais à cet âge-là, on est curieux d'apprendre. Et moi, j'étais curieux, surtout d'éviter l'école. Ça me faisait assez plaisir, mon Dieu, que j'étais content. Alors, je suis embarqué comme un petit homme avec mon bleu de travail tout rapiécé, tout de suite à travailler comme rembourreur à la carrosserie David, sur le boulevard de l'hôpital. J'étais avec des vieux parce que les jeunes ouvriers de cette époque-là étaient partis à la guerre ou étaient prisonniers. Alors, donc, j'ai travaillé avec des vieux ouvriers qui étaient revenus sur le marché du travail pendant la guerre et qui avaient des choses à raconter. Et moi, j'ai jamais eu de grand-père, j'ai pas connu de grand-père, ni de grand-mère, ni de vieux oncle, ni de vieille tante, ni de cousin, ni de cousine. Mais je suis tombé avec ces deux bonhommes qui m'ont raconté leur histoire et qui soliloquaient chacun devant son ouvrage et qui me racontaient la vie de cette époque où ils travaillaient encore les voitures à chevaux. Et ça m'a beaucoup marqué. Les anciens veillent en effet sur notre Gaulois en devenir. Un ami de son frère, René Lamoureux, devient en quelque sorte son grand frère, son protecteur. Il est le premier à saisir l'immense potentiel créatif chez Polo, le rigolo. Donc, il nous avait fait connaître un danseur de l'Opéra de Paris, le premier danseur de l'Opéra de Paris qui était parti de l'Opéra, qui s'appelait Jean Séry, et qui était vraiment le premier écologiste au monde. Parce qu'il partait avec une charrette pour aller danser sur les places de village. C'était incroyable, un illuminé. Et je me souviens, il venait nous donner des cours dans les salles de la paroisse, à Notre-Dame de la Maison-Blanche, au Patro, comme on l'appelait. Et il venait, il n'y avait pas de musique, mais avec des tayam, 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 boum, boum. Et moi, je ne me sentais plus. Je sautais comme un cabri, j'improvisais des danses, je me prenais pour Nijinsky. C'est invraisemblable. Mais il a développé cette espèce d'euphorie gestuelle que je possédais en moi, mais il me l'a développé au centuple. À un moment donné, j'ai formé une équipe avec d'autres camarades du quartier. On a formé une équipe pendant la guerre pour monter
des petites séances, des pièces de chancelles, des chœurs parlés, des petites pièces. Et on a fait ces spectacles-là dans les orphelinats. Alors, toutes les fins de semaine, au lieu de niaiser, puis de, ben, on allait camper avec nos sacs à dos. On couchait dehors, c'était formidable. Et finalement, un de mes camarades, dont le père avait une job, je pense, assez importante, trouvait des adresses pour aller dans ces orphelinats et nous jouions pour ces enfants. Ça a été mon baptême théâtral. Et quand j'ai commencé à faire du théâtre, c'était juste pour un remplacement pour un gars où je chantais, je jouais un vieux, c'était niaiseux, je jouais un vieux qui chantait le temps des cerises. Et puis, j'avais mon frère dans la salle, et mon frère Lucien. Puis, quand c'est pas une chanson qui est comique. Puis, quand j'ai, au bout d'un moment de chanter le temps des cerises, je pense que j'ai fait, tout le monde s'est mis à rire. Oh, j'étais furibard. Je suis sorti de là, 6 ans, cette bande de cons, qui se marre. Puis, mon frère vient en coulisses, la gueule enfarinée. Oh, t'es marrant, Polo! Tous bousculent et s'enchaînent. En 1941, sa mère meurt et, la même année, des jeunes chanteurs routiers se regroupent sous le nom des Compagnons de la musique. Vers la fin de la guerre, ils sont devenus les Compagnons de la chanson et Paul est invité à devenir le 9e membre de cette drôle de famille qui vient d'être adoptée par Édith Piaf. Il avait déjà un côté très, très créateur, hein, très créatif. Il avait des idées pour les chansons mimées, ce qu'on appelait les chansons animées. Il avait des idées de mise en scène, déjà de mise en scène, de mise en place. C'est ça ce qu'il y avait d'extraordinaire chez Paul. Et en plus, le côté réalisateur, c'est-à-dire que lui-même ayant le sens du geste, de la plastique, et ça a été un apport énorme chez les Compagnons, c'est certain. Il est beau le chameau, il est utile à l'homme. On se croirait en bateau, juché sur cette pomme. Les chameaux, il est gentil, les chameaux, il est gentil, dans le désert d'Arabie. Il nous sert des taxis. Les premières tournées avec Paul, parce que ça a été une tournée formidable, c'était la Scandinavie, Suède, ouais. Norvège, Danemark, Hollande, avec des souvenirs absolument extraordinaires. L'Égypte, le Liban. Nous avions l'habitude tous les deux d'aller manger dans un cinéma en plein air. C'est la première fois qu'on voyait ça. On mangeait en voyant les films égyptiens, c'était très, très amusant d'ailleurs. Car il y a une industrie cinématographique orientale extraordinaire. C'était vraiment une vie de pépère, une vie de famille. Et le soir, ben, on se retrouvait ensemble à chanter, nous, nos chansons. Elle, avec sa voix merveilleuse, elle faisait vibrer aussi bien les Norvégiens que les Suédois, que les Italiens, que tout le monde. Je fais du sport, j'aime la nature, pour moi c'est pas compliqué. Je me bouge tôt, je me lève tôt, pour monter sur mon vélo, pio, pio, pio. Avec la fin de la guerre, les French Boys ont la cote en Amérique. Tout comme pour Pierre Roche et Charles Aznavour, quand les Compagnons de la chanson traversent l'Atlantique, derrière cette initiative, il faut chercher la femme. C'est à ses côtés que les Compagnons chantent pour la première fois en Amérique au Playhouse Theatre de Broadway le 30 octobre 1947. C'est Piaf qui nous a emmenés en Amérique, hein. faut bien le savoir parce qu'on ne le dit jamais assez. C'est grâce à Edith qui nous a dit avant, mes enfants, je n'irai pas sans vous, c'est sûr, je vous emmène avec moi. Et elle a tenu parole. Le premier contact avec New York, quand Edith a dit, ben, ce soir on va sortir, on va aller, je ne sais plus où, dans un club ou je ne sais quoi. Et Paul a été le seul à pouvoir y aller car il était le seul à avoir un smoking. Nous, on n'avait pas encore les moyens. Paul avait déjà un smoking et il a pu sortir avec Edith Piaf. Elle était toujours en quête d'amour. Oui. Moi, quand j'avais sorti avec une fille, et puis elle voulait me dissuader parce qu'elle a dit, voyons donc, elle m'avait écrit, j'ai encore les lettres. Et quand je me suis marié, elle m'a envoyé une lettre s'excusant, disant j'étais jalouse, je suis jalouse du bonheur des autres.
Ça, c'était Edith. Parce qu'elle pouvait être d'une gentillesse extrême, mais ça pouvait être d'une méchanceté terrible. Je pense qu'Edith Piaf, c'est la femme totale ou l'homme total. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours. Il y a un autre que j'ai croisé qui m'a serré la main, je me suis jamais rendu compte que c'était lui, et je le regrette encore, c'est Charlie Chaplin, quand nous étions à Hollywood. Toute l'imagerie qui va suivre Paul Bissonneau durant les années à venir se précise. Entre les frères Jacques et Charlot, entre la chanson réaliste et la fantaisie, entre le clown qui rit et le clown qui pleure, Bissonneau, l'élève à la fois respectueux et rebelle, salue plusieurs maîtres. Il n'y a pas que Charlot, il y a des gens comme Jean-Louis Baron qui, à l'époque, m'ont passionné. Bien avant ça, comme Bach, un dénommé Bach, qui faisait dans les années 1900 du tourlou, là, des chansons et des sketchs aussi. Alors, on appelait ça les sketchs de Bach et Laverne. Alors, il faisait des sketchs extrêmement comiques sur le 78 tours. Et alors, on écoutait ça à la radio, on se bidonnait parce que le soir, au souper, c'était l'écoute de la radio, comme un peu partout sans doute. À l'automne 1948, sans Piaf, les compagnons de la chanson débarquent à Montréal. Ils chantent d'abord au Monument National, puis reviennent au Café de l'Est. Pour Fred Mella et Paul Bissonneau, qui partagent maintenant un appartement à Paris, l'amour est au rendez-vous. Le 18 novembre 1949, la jeune artiste peintre d'Outremont, Françoise Charbonneau, devient Madame Paul Bissonneau. En janvier 1950, le jeune couple va s'installer en France, où la Québécoise Suzanne Avon vit déjà avec son amour Fred. Mais alors, ce qui m'avait impressionné chez Paul, le soir, je rentrais, j'avais un petit plat de préparé, merveilleux, j'ai souvenir de certaines recettes dont lui ne se rappelle pas. Et aussi, il y avait une histoire de cœur de bœuf aux carottes. Un cœur de bœuf aux carottes. Ouais, ouais. Et surtout, il avait, ce qui m'avait énormément impressionné, il avait là des chaussures qu'il avait fait lui-même. Ah oui. Pendant la guerre, oui. Paul avait été bourrelier, ce qu'on appelle bourrelier, c'est-à-dire qui travaille le cuir ou les fauteuils et tout ça. Et aussi, il avait appris à faire des chaussures. Et il épatait tout le monde d'ailleurs avec ses chaussures. Et elles étaient belles, ces chaussures-là. Superbes. Françoise et les compagnons de la chanson ne font pas bon ménage. En 1950, Paul quitte les compagnons de la chanson au bout de 4 ans et demi de route ensemble. Et au mois de décembre, il quitte la France pour le pays de la femme qu'il aime. À Montréal, par l'entremise de ses beaux-parents, il commence sa nouvelle vie en vendant des disques chez Archambault. Oh, je sais que vous allez me dire que les phonographes de nos jours ne portent plus de cornet. Non, c'est vrai. C'était bon dans le temps. Mais le temps, pour moi, n'a pas d'importance. Vous savez, quand vous devenez vendeur de disques, vous êtes vendeur de disques, avec la petite veste grise, puis Edmond Archambault sur la pochette. Vous n'êtes plus un compagnon de la chanson. On se sert de vous, oui. À un moment donné, Archambault avait eu cette idée de mettre dans le journal, venez vous faire servir par un des compagnons de la chanson. Mais c'est pas un cadeau. Moi, ça me faisait rien parce que je m'en foutais. Mais bon... C'est vrai qu'Aznavour est venu me dire bonjour, c'est vrai que Lucienne Boyer est venu me dire bonjour, puis d'autres artistes qui venaient, mais bon, bonjour, salut, salut, bonjour. J'avais un sentiment d'échec total. Et pour la première fois de ma vie, je me suis posé des questions parce que j'étais responsable de quelqu'un d'autre. Mais voilà qu'en 1952, le surintendant général des parcs de la ville de Montréal va changer sa vie. Claude Robillard, ingénieur de formation, a un fort penchant artistique qu'il a d'ailleurs exercé à CKAC en écrivant Le Carrousel de la Gaîté avec Gracien Gélina. Il va parachuter un Parisien exilé dans la vie théâtrale du Québec en lui offrant un gros jouet destiné au spectacle dans les parcs, la roulotte. Pour y avoir accès, Paul Bissonneau devient fonctionnaire, moniteur. C'était le rêve de ma jeunesse. Quand on était avec l'équipe des scouts, on disait, après la guerre, on achète un autobus, on coupe le restant, là, on vide, et on se fait un stage, puis on s'en va à travers la France. Wow! Quand M. Biard m'a dit, j'aimerais que vous passiez fonctionnaire, je dis, jamais! Jamais, M. Biard! Elle me dit, écoutez, mon cher Bissonneau,
Vous vous rendez compte que vous n'aurez ni vacances, ni jour de maladie, ni ci, ni ça, ni quoi, ni... Oh, c'est vrai. Et finalement, c'est comme ça que je suis devenu le plus mauvais fonctionnaire de la ville de Montréal. À l'été 1953, la roulotte commence une longue tournée qui ne s'arrêtera définitivement qu'en 1991. Quand j'ai été au magasin du service des parcs pour avoir du matériel, pour faire les décors, les costumes, les masques et tout, on m'a dit, le gars qui ne blairait pas beaucoup non plus, ce type qui était en charge, c'est très méfiant, là. Il dit, bon, des vieilles serviettes dépaissées, de la gouache, du fil de fer. Alors, j'ai eu des serviettes de piscine percées, qui avaient été usées par les ans, de la gouache et du fil de fer. Alors, j'ai fait un arbre avec ça, avec le jasmin, on a travaillé des masques. C'était pas très... C'est pas possible que ce soit joli. J'étais un peu découragé, mais je me dis, ferme ta gueule, Bussolo, surtout que je venais d'arriver. C'était pas le temps de l'ouvrir trop. Tu sais, à l'époque, je me méfiais parce que le maudit français, ça sortait vite. Ouh là là! Alors j'ai monté Barbe Bleue, le Chaboté, le Soldat au Briquet, des contes d'Andersen, des contes de tout le monde, de Grimm, les frères Grimm, tout, Pinocchio. Et je pense que j'ai ouvert un peu une espèce de culture enfantine assez jeune qui lisait peut-être des Mickey, ce qui n'est pas mauvais, mais qui était dans le Walt Disney jusqu'au bout. Cette année, la pièce de résistance est le Chaboté, inspirée du magnifique conte de Perrault. Paul Bissonneau en a fait une charmante fantaisie musicale, et ce Chaboté s'est orientalisé puisqu'il est donné en style japonais. Le chat se nomme Miaou et le marquis Karabafuni. C'était délicat de proposer des contes dramatisés parce que l'enfant, lui, quand on raconte les images qu'il se propose par rapport au conte, il se les fait lui-même. Tandis que sur le plan théâtral, on impose ces images. Mais j'essayais de pallier au drame par une espèce de stylisation et en même temps une espèce d'humour. D'humour qui allait... Qui devenait pathétique, mais en même temps qui devenait souvent ridicule. Alors, j'ai trahi quand même certains auteurs des contes enfantins. Rapidement, dès qu'il commence à monter des spectacles, le moniteur fonctionnaire Bissonneau se transforme en professeur de théâtre, voire en maître. Nombre des jeunes recrues de la roulotte sont devenus des professionnels de très grande envergure. C'était vraiment un vrai maître, là. Je veux dire, il nous faisait travailler l'improvisation, le rythme, le corps. Il nous faisait beaucoup travailler le corps pour qu'on ait l'air de quelque chose. Le texte, il ne s'intéressait pas à ça tellement pas. C'est venu bien plus tard, là, parce que c'était des shows de gang aussi, puis c'était des shows de groupe. Et c'était ces idées qui devaient passer à travers nos corps, ou sur nos corps, quand on ne suivait pas. Comme tout un théâtre pour enfants, il y avait un autre théâtre de Guy Messier, je pense, qui était là avec Jacques Létourneau, déjà, qui roulait avec Jacques Létourneau, Fanfreluche, Kim Yarachevskaya et tout ça. Et ils faisaient aussi un bon théâtre, eux autres. Et finalement, ben, de fil en aiguille, le patron était content. Donc, petit à petit, les budgets se sont améliorés. J'ai pu faire travailler des jeunes artistes, comme costumier, comme François Barbeau, que j'ai pris dès qu'il est venu me voir, lui. Barbeau, il était chez Steinberg, il a emballé des boîtes. Tout le monde est passé à la roulotte, enfin tout le monde. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes acteurs et de jeunes actrices qui étaient en apprentissage de formation. Mais si on pense à Clémence, à Yvon Deschamps, à Luc Durand, à François Tassé, bon, j'y suis passé, bien sûr. Il y a même Gilles Latulippe qui est allé à la roulotte. C'est drôle. Et il y a eu un phénomène, une espèce de sillage pour nous entraîner vers un monde imaginaire, de fantaisie, de poésie aussi. Ils savaient très bien créer ce genre d'atmosphère.
mais non seulement de la roulotte en passant vers un théâtre semi-professionnel et professionnel ensuite, est arrivé un gagne-pain. Et ça a coïncidé avec l'arrivée d'un patron aux émissions jeunesse qui s'appelait Fernand Doré et qui a été très, très audacieux lui aussi. Il s'est adressé à plusieurs acteurs, à Luc Durand, à Marc Favreau, à Millette, à Buissonneau, à Kim Yaroshevskaya, en disant « Vous avez jamais écrit? Vous allez écrire! » Eh bien, ça a donné Piccolo, ça a donné... Maboul avait écrit peut-être un peu Jacques Létourneau avant, mais j'avais jamais écrit. Durand, à peine. Sabourin avait jamais écrit. Favreau, je pense qu'il commençait à peine à écrire. Et ben, ça a donné une galerie de personnages qui ont été absolument extraordinaires pour le public, le jeune public québécois. Et pas seulement une génération, parce que ça a duré un certain temps, donc ça a touché deux, trois et peut-être même quatre générations. Vous vous plaisez au Canada? Oh oui, c'est un pays d'avenir. Le Canada? Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça? Ça fait 11 ans. Oui, c'est vraiment un pays d'avenir. Dog for... Piccolo! Bonjour mes amis. Durant ces jeunes années, la télévision semble en osmose avec le monde imaginaire et merveilleux des enfants. C'est dans ce contexte que, par magie et presque naturellement, se présente Piccolo. C'est Françoise Charbonneau, la femme de Paul, qui peint déjà des illustrations pour des émissions destinées aux jeunes, qui dessine son costume. Avec l'aide de Françoise, Paul crée en 1956 un monde où Piccolo explore les objets. Quand je donne le signal de l'arrêt, hein? Vieux sacripant! Tu me visais! Oui, et c'est toi qui défonce ma voiture! Moi qui défonce ton auto? Parfaitement! J'ai des témoins! Montre-les tes témoins! C'est moi qui ai raison! Je vais t'en donner des raisons! Et vous permettez donc que je dise mon mot! Et là, à l'automne, Fernand me fait revenir et dit: Paul, écoute, c'est le fun, j'ai bien aimé ce que tu as fait. Là, je suis en train de préparer une émission qui s'appelle La boîte à surprise. Et j'aimerais que tu fasses Monsieur Surprise. C'est quoi? Ben, il dit, c'est tous les jours de... Oh là! Non, un instant, je peux pas. Pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai mon travail à la ville. Ton travail, c'est quoi? Ben, c'est... Enfin, j'ai laissé vraiment 5 émissions par semaine pour mon travail de 56 piastres à la ville. Bon! Et maintenant, je cours jusqu'à 3 et le jeu commence. Attention! Attention, courant d'air! Uno, due, tres, go! Go! En 1977, quand Radio-Canada fête le 25e anniversaire de sa télévision, Colombine, Piccolo, Pantalon et Macaroni sont devenus de vieilles connaissances pour 4 générations de Québécois. Heureusement qu'en 1960, Buissonneau a préféré rester dans la peau de Piccolo plutôt que de prendre la barre de la boîte à surprise. Tout le monde y a gagné. Piccolo, Piccolo, je porte un petit chapeau. Quand je le mets sur ma tête, j'ai l'air d'une girouette. Entre nous, c'est rigolo. Je vous lève mon chapeau. Le personnage de Colombine, c'était un peu beaucoup le pendant féminin. Donc, c'est des personnages auxquels les enfants s'identifient avec plaisir parce qu'ils ne représentent pas des victimes dans la société. Hein. Je pense qu'au théâtre, on déploie un peu l'éventail de tout ce qui compose la société. Donc, il y a les victimes, il y a les gagnants, il y a les perdants, il y a les naïfs et tout ça. Alors, il y avait des personnages dans notre équipe de naïfs, le docteur Macaroni, celui qui est naïf quelquefois, mais qui croit réussir à rouler les autres, le monsieur Pantalon. Alors, Colombine et Piccolo, c'est ceux qui font des mauvais coups, c'est ceux qui s'en sortent. L'enfant s'identifie à ça. Un jour, Paul m'amène dans un parc de la ville pour voir, enfin, la roulotte que j'avais jamais vue de ma vie. Oh, j'ai pleuré de... je sais pas quoi.
d'émotion, bien sûr. C'était tellement beau. Une chance que je n'étais pas habillée en colombine, parce que déjà, lorsque les enfants se sont détournés de la roulotte et m'ont aperçue, ont couru vers moi et j'en avais partout, ça grimpait après moi, colombine. C'était affolant quand ils sont si nombreux que tu en as peur d'être jeté à terre. C'était merveilleux. Parallèlement à cet univers voué aux jeunes, Paul Buissonneau s'est lancé dans le théâtre pour adultes. En 1956, afin de pouvoir participer avec ses jeunes acteurs amateurs au Festival régional et national d'art dramatique, il les regroupe sous le nom de la Compagnie du 4 sous, faute d'obtenir les droits de monter la pièce de Brecht comme il désirait le faire. À la place, il monte une aventure loufoque et mélodramatique, Orion le tueur. L'année suivante, il mise sur « La tour Eiffel qui tue » de Guillaume Anto et le 4 sous décroche le premier prix et va jouer à Calgary et à Winnipeg. Les critiques louangent le travail du moniteur de la ville, Paul Buissonneau, qui de sa baguette magique a porté le théâtre amateur au niveau d'un théâtre non seulement professionnel, mais nouveau. Ce qui ne veut pas dire que le milieu théâtral lui ouvre les bras. J'étais pas dans le milieu, moi, j'étais complètement en dehors. Les petits jeunes qui venaient me voir, c'était en dehors. Parce que c'était une gagne, hein, Suto et compagnie, ça se tenait, là, puis il fallait pas, ils te regardaient, c'était incroyable, il y avait pas beaucoup de travail non plus, alors, tu sais, ils gardaient leur fief, c'était. En 1962, Montréal prépare l'ouverture de sa Place des Arts et Claude Robillard s'en remet à Paul Buissonneau pour marquer l'événement de façon grandiose. Déjà très proche du pianiste Claude Léveillé, Buissonneau lui demande d'écrire la musique d'une fresque qu'il a imaginée à partir de la triste et bête histoire d'un immigrant italien assassiné par la police dans une ruelle. Dès le départ, Jean-Louis Millette et Yvon Deschamps sont dans le coup aussi. Mais une bataille au sujet de la juridiction syndicale de la Place des Arts met une halte au projet d'inauguration. Les contretemps font boule de neige et ce spectacle qui portait un titre prémonitoire, Les Éphémères, ne voit jamais le jour. Le coup est dur, d'autant plus que la distribution est très importante. Une quarantaine de comédiens, il y avait une quinzaine de mimes, il y avait 60 choristes, il y avait des pianistes, on mettait tout le paquet. Ça faisait 10 ans que moi je travaillais de mon côté pour arriver à une chose comme celle-là que je croyais sincère, honnête, belle, valable. Paul Buissonneau aussi, il y a 2 ans, je crois, était allé en Europe, se perfectionner 1 an, lui aussi. Lui aussi croyait à cette chose-là. Ça faisait déjà quelques mois, 8 à 9 mois qu'on travaillait dessus. Lui, ça faisait 9 ans qu'il pensait à son scénario. On s'est mis à travailler dessus avec plus de précision il y a 3 mois. On répète tout près de 2 mois avec tout le monde. Et ce qui provoquait par la même occasion d'une première canadienne, originale, dans tout ce que ça comporte, autant dans la mise en scène, autant dans la forme de la création, autant dans son complexité, puisqu'on y mêlait la pantomime, la musique, les comédiens. Ça faisait un grand spectacle à grand déploiement. Le premier de ce genre, je pense, canadien, français. Alors je pense que c'est très grave, mais d'un autre côté, j'ai nettement l'impression qu'on va se reprendre sous peu et que les éphémères auront lieu de toute façon. Et vous, Paul Buissonneau, quel est votre sentiment à propos de cet avortement? Ben, je suis largement débiné. Parce que c'était rare à ce moment-là, une pièce où il n'y a pas de suite chronologique, écrit comme un film avec des flashbacks. Il y avait... Moi, je mourais au début, puis je renaissais à la scène suivante. Et je mourais en slow motion, sur scène. Ça a été fait 5 ou 6 ans plus tard au cinéma, dans des shows « Horses Don't Die », mais ça n'a pas jamais été fait encore, ni au cinéma, ni nulle part. C'était assez exceptionnel. Il y avait des affaires-là, des gros plans sonores pour du théâtre, des travelling. On était une grosse gang, là. Alors, tout ce qui se passait là, je vais le dire, là, ça fait 30 ans, là, ça.
Et il y a des idées là-dedans qui valent la peine et qui n'ont pas encore été exploitées. Fait que disons que Paul, il en avait des idées, mettons. On en a vu d'autres. Et puis au théâtre, si on abandonnait à chaque fois qu'il arrive des pépins, il y a longtemps qu'on aurait changé de métier. Le prix de consolation, peut-être. En 1964, Buissonneau se voit confier le concept du défilé de la Saint-Jean et il peut laisser libre cours à son génie de la fête, à son imagination raffinée qui invente des manières de faire travailler en beauté un tas de monde. Il y a le colonel Bourassa, Jean Gascon et Jean Duceppe qui m'ont contacté pour m'occuper du défilé. Alors j'ai sauté dessus, j'étais heureux parce que, en fait, ce sont des gros jouets et je me suis amusé avec comme un petit fou. Piccolo et Piccoline et leur théâtre de chiffon. L'amour, Paul Buissonneau en connaît tous les détours. En 1962, dans l'ouragan des éphémères, Piccolo et Piccoline ont mis terme à un mariage qui sombrait depuis longtemps et qu'ils tentaient de garder à flot à cause de leur fils Martin, né le 3 avril 1956. Ils s'en vont dans le soir à un beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées et nos deux escargots sont très désappointés. À ce nouveau tournant, la jeune et pétillante comédienne Louise Latraverse entre en effet dans la vie de notre extraordinaire marchand de rêve. Si leurs amours restent mémorables encore aujourd'hui, c'est qu'elle coïncide avec la naissance d'un lieu fétiche dans l'éclosion culturelle du Québec, le théâtre de Quatre-Sous. C'est Yvon Deschamps qui tenait à trouver un toit pour la troupe et quand Buissonneau tombe en amour avec cette synagogue de l'avenue des Pins, il crée une corporation avec Deschamps, Claude Léveillé et Jean-Louis Millette pour l'acheter. Le féru des grands déploiements scéniques devient roi et maître d'un théâtre de poche. Un endroit un peu... je dirais bizarre pour lui, qui avait besoin d'espace parce qu'il travaillait toujours avec des grosses gangs. On sortait des éphémères, on était, je sais pas, 60, et puis là, on achète un théâtre où on sait que la scène est à peu près 20 par 10 et qu'on sera jamais plus que 10 dessus, tu sais. Alors, c'est quand même un changement de cap, tu sais, pour Paul, là, de se dire, oups, là, je pourrais plus monter le genre de théâtre que je montais avant. Ça, c'était quand on a ouvert le théâtre, ouais, ça, ouais. Parce qu'on a ouvert le 4 sous, nous autres, ensemble. C'est ça. Alors, finalement, on a ouvert le théâtre et c'est elle qui a récolté un article avec 10 photos et puis moi, ma gueule, parce que j'étais plus aux belle... oubliettes. J'étais plus belle que toi. Bah ben, évidemment. On a frisé souvent la catastrophe, mais il y a toujours eu des gens encore. Moi, je ne sais pas si j'ai la chance pendue au derrière, ça se peut très bien, mais il y a toujours eu des gens qui sont venus au dernier moment, là, nous sortir, nous aider. Et ça, je dois le dire, parce qu'on ne fait pas les choses tout seul. Il y a toujours une question de chance, une question de gens qui nous respectent. Quand il a fallu que j'achète le 4 sous, j'avais vendu ma maison pour acheter l'édifice. Et puis, je ne trouvais pas l'argent pour le refaire, le théâtre, pour le faire en théâtre. C'était terrible. Et c'est une madame d'un restaurant dans lequel j'allais manger avec Louise Latraverse, qui m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, Paul? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air pas en forme. Alors, je dis, ça va pas, je trouve que personne ne veut me prêter. Quand on leur dit, c'est pour un théâtre, ils nous rient dans la gueule, ces maudits capitalistes. Puis le lendemain, elle m'appelle, le lendemain matin, elle me dit, écoutez, venez souper ce soir avec Louise, je vais vous présenter quelqu'un. Le soir, on arrive, on soupe au champagne devant un monsieur qui s'appelait Sam Abramovitch, un comptable, extraordinaire bonhomme, d'une culture raffinée, formidable, je suis encore ami avec, qui me dit, c'est vous qui avez monté le Tour Eiffel qui tue? Je dis, vous avez vu ça, vous? Un Anglais? Il dit, yes. Ben, je dis, oui, c'est moi. Il dit, tu vas l'avoir, ton argent. Moi, j'étais là, j'étais un peu le concierge, c'est celui qui a le gros trousseau de clés pour ouvrir les portes quand on oublie la sienne. J'étais un peu le concierge, l'homme de ménage, le décorateur, j'ai fait tout là-dedans. Mm-hmm. Mais je pense à ces comédiens qui sont venus quand même dans des conditions pas toujours drôles, avec des budgets réduits. Ils n'étaient même pas payés. Ah non, faut pas charrier, là. Commencez pas. Mais je veux dire, avec des budgets réduits, ils m'ont quand même permis
de monter beaucoup de pièces, de faire travailler d'autres metteurs en scène, pas seulement moi, de faire travailler des gens qui écrivent des pièces, de faire travailler des techniciens, et je pense que c'est ce qu'on fait cette année. Pour marquer ses 20 ans d'existence, le théâtre de Catsou remonte la tour Eiffel qui tue à Montréal et à Paris. Au cours des ans, il y a eu des bons coups et des coups durs, mais le gros coup est arrivé de façon tout à fait inattendue en 1968. Avec sa bande de copains, l'assistant de Paul Bissonneau, Yvon Deschamps, entreprend de monter une revue. Le boss n'est pas très emballé, même qu'il en a assez d'entendre parler de Stostitcho. On avait tout fait la roulotte, ou à peu près, Charlebois, moi. T'sais. On avait travaillé tous avec Paul. Ici, c'était tout simplement parce que Paul avait monté 3-4 pièces. Il était rendu au mois de mai, puis il ne voulait plus monter la dernière pièce. Puis là, il m'a dit, bon, ben, fais quelque chose. Moi, je venais de faire faillite avec mes restaurants. J'étais dans la rue. Alors, c'est une question que moi, j'ai dit à Paul, j'ai fait des années, j'ai plus fait de théâtre. Je travaille avec Clémence, je fais des revues. Alors, peux-tu faire une revue à la place? Il dit oui. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Alors, c'est un paquet de hasards qui ont fait qu'on s'est retrouvé avec le Catsou au mois de mai 68. À l'époque, tu sais, ils étaient un peu gommés, hein? C'était l'époque où ça fumait le calumet de la paix. Alors, faites-moi pas marrer, hein? On n'en parle plus de ça, mais moi, je l'ai subi, parce que moi, je ne fumais pas le calumet de la paix. Je fumais simplement la gauloise. C'est l'histoire classique des élèves qui se rebellent contre le maître. Surtout Robert, là. Je n'étais pas rebelle, ben, moi, je faisais ce que Paul me disait de faire. Mais Robert a dit, hey, bon, ça, on le fait pas, puis ça, on le fait pas. Alors, les deux ensemble a fait que Paul était assez là pour mettre un peu d'ordre et faire que ça se tienne, et Robert assez fort pour qu'il y ait un côté rebelle et fou et tout ça. Donc, c'est un beau mix. Mais je vais te dire, on avait juste 3 semaines pour faire ça, l'écrire et le monter. Robert avait des chansons, lui, mais les sketchs, moi, les monologues, c'est tout venu en 3 semaines. Et c'était pas simple, parce que Louise Latraverse devait jouer après 10 jours à Sacré-le-Camp. Ça marchera jamais. Et moi, je vais te dire, le soir de la première ici, là, on est monté ici, puis j'ai dit à Charlebois, là, on est mieux de se préparer, on va prendre une grosse tasse d'humilité à soir. J'ai dit, c'est sûr qu'on était pour faire l'inflat. Et je pensais jamais que ces cons-là auraient mis ça au fronton du théâtre. Parce que je te dis que le show qu'on préparait était assez vaseux. C'était incroyable. Finalement, ça s'est tassé. Chacun a mis de l'eau dans son vin. Mais au début, là, j'ai dit, vous et votre Stitcho, là, franchement. Ils ont tous sauté dessus. Ils ont dit, voilà le titre! Au moins, voilà le titre! Alors, c'est comme ça que Stitcho a fait carrière. A fait carrière malgré le Catsou n'a rien tiré dessous de tout ça. Ça a joué partout parce que je n'étais pas d'affaires. J'ai donné ça à mon beau-frère à l'époque, à Tigui Latraverse. J'ai fait travailler les gars, bon, on dit, t'es pas pour laisser ça tomber, moi. Et je me suis retrouvé, moi, avec 90 000 piastres de dette. Alors qu'on avait un succès terrible. À Pékin, à Hong Kong, tous les matins, c'est le gang. Depuis lors, Yvon Deschamps ne tire plus le pouce-pouce de Piccolo, ni de personne. Mais il reconnaît que pour donner libre cours à sa créativité, il lui fallait rompre avec le Catsou. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est nous les petits Chinois. C'est en même temps très envahissant, d'une part, et d'autre part, intimidant. Il y a des grands bouts. Moi, quand j'étais avec Paul, je veux dire, je faisais pas grand-chose hein, dans le sens de créativité, dans le sens de... J'étais dans son ombre tout le temps, puis j'avais juste un but, c'est le seconder, l'appuyer et le rendre sécur. Bon, tu sais, s'il fallait qu'il vende des tickets, je vendais des tickets. S'il fallait faire de la publicité, je faisais de la publicité, que je l'aide à l'éclairage, que je fasse des masques, que je fasse n'importe quoi. J'avais pas d'autre ambition que de faire partie d'une équipe qui permette à Paul de réaliser ses grandes idées. Mais c'est juste après être parti que là, tout ça, ça m'est revenu et ça m'a aidé beaucoup. Non, mais c'est vrai, par exemple. Quand tu y penses, là, les unions, qu'est-ce que ça donne? Voyez-vous qu'il va nous dire, expliquer ce que c'est que la femme? Pour lui, pour... Oui, merci. Eh bien, la femme, en tant que metteur en scène, oui. La femme, pour moi, oui. Est sur le même plan que les autres.
C'est-à-dire, je pense qu'elle est asexuée. En 1969, tandis que ses élèves s'éclatent dans le showbiz, le maître donne au monde du théâtre la vraie mesure de son audace quand Jean-Louis Roux lui confie de monter pour le Théâtre du Nouveau Monde une pièce de Dario Fo, un dramaturge italien qui n'avait pas encore été joué au Québec. La pièce avait été intitulée par les Français « Cette dame est à jeter ». Buissonneau en a fait « Faut jeter la vieille », une pièce qui traîne à ce jour un délicieux parfum de scandale et d'enivrement. Ça, c'est le souvenir en lettres majuscules que j'ai de plus vif. Ça, ça avait créé bien des histoires, puisqu'on avait joué, c'était pour le TNM, et ils avaient perdu, je ne sais pas quel pourcentage de leurs abonnés, parce que les gens, c'est un théâtre de répertoire, les gens allaient voir des beaux costumes, des beaux décors et des belles pièces de théâtre classiques, et tout à coup, Vlan, tous les acteurs, on est habillés en penman, tu sais, en combinaison d'hommes, combinaison trop grande pour nous, la tête recouverte, puisque c'était très asexué, la tête recouverte d'un faux crâne en caoutchouc avec les oreilles qui sortent chaque bord, c'est de toute beauté. Alors, mais c'est un spectacle extraordinaire, extraordinaire. Je pense la mise en scène la plus percutante de Paul. Et on a été très fiers d'avoir fait partie de ce spectacle-là. Ça racontait l'histoire de la présidence des États-Unis. Et Paul avait eu l'audace, l'effronterie même, de transformer le Port-Royal en dépotoir. Et ce spectacle-là est devenu un événement, vraiment. Un événement très, très important dans le monde culturel de Montréal. La moitié de la salle criait au génie et l'autre moitié haïssait l'audace de Paul jusqu'à un certain point. Mais quel souvenir exceptionnel pour un acteur. Des souvenirs exceptionnels, le metteur en scène Buissonneau en a aussi semé au monde de l'opéra. Sa première expérience remonte à 1964, quand le réalisateur de Radio-Canada, Pierre Morin, lui demande de monter le Barbier de Séville pour l'heure du concert. Certains patrons protestent, mais le talent triomphe et la production décroche le premier prix aux Emmy Awards. Colette Bocchi, qui a travaillé avec Buissonneau notamment dans L'heure espagnole et dans La belle Hélène, apprécie sa rigueur et sa fantaisie. Il y a une approche très spéciale pour l'opéra, très, très intéressante aussi, apporte des idées nouvelles, novatrices. Je ris de me voir si belle en ce miroir. Je ris de me voir si belle en ce miroir. Est-ce toi, Marguerite? Est-ce toi? Réponds-moi, réponds-moi. Réponds, réponds, réponds vite. Je pourrais vous le dire en un mot, là, c'est ça.